Bonjour à toi, donc j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un nouveau produit que j'avais acheté chez Action. Et vu que je suis quelqu'un qui n'est pas très patient, je l'ai déjà ouvert et j'ai déjà regardé ce qu'il y a dedans. Donc je vais faire le déballage malgré que j'ai déjà vu, mais en même temps, ça m'a permis de voir qu'est-ce que ça vaut. Donc commençons par le Common Cement. Donc déjà, il y a ce petit truc-là. Il a l'air bien solide, donc déjà c'est un bon truc. C'est une bonne surprise. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Allez, les petits zooms là. Donc, ok, le zoom ça va pas marcher, c'est pas grave. Je vais quand même te le montrer à côté là ou là ou là ou là. Je vais me débrouiller pour faire ça dans le montage. Donc, après, on a cube. Alors, on a une petite sacoche. Tac, tac. Une sacoche, je sais pas si on peut appeler ça une sacoche. Et on a ce petit truc là. Et franchement, je le trouve super bien par rapport au prix. Parce que 13 euros, c'est pas très cher. Parce que j'avais acheté un autre truc, je vais te le montrer tout de suite là. À AliExpress, qui était beaucoup moins qualitatif pour le même prix. Pour exactement le même prix. Donc voilà. Donc il a ça qui va comme ça. Voilà, ça c'est pour serrer. Ça tu peux choisir. Donc ça, hop. Alors pourquoi il y a là et là? Ah ok, un c'est pour serrer le, comment on appelle ça, descendre et monter, et l'autre c'est pour serrer le fait de pouvoir tourner à droite et à gauche. Donc ça c'est déjà pas trop mal. Donc il y a ça aussi. Et à quoi ça sert cette petite manivelle? Donc lui il est beaucoup, franchement il est beaucoup plus solide que celui que j'avais acheté à AliExpress. Et ben putain. Donc après il y a même un truc pour pouvoir mettre du poids. Pour pouvoir mieux le stabiliser. Après, qu'est-ce qu'il a d'autre? Donc, il y a une base pour pouvoir mettre ton appareil photo qui est inclinable. Donc, ça aussi, c'est un bon truc. Donc, il s'incline comme ça et comme ça. Donc, comment on appelle ça? X, Y, Z, ou je sais pas comment on appelle ça. Enfin, il s'incline en 3D, quoi. Ça, c'est génial. Donc, là, c'est pour pouvoir serrer aussi cette fonctionnalité-là, entre guillemets, le fait qu'il s'incline comme ça. Donc, il tourne. Il s'incline comme ça, il s'incline comme ça. Donc ça, c'est franchement, c'est super bien. Après, il y a cette petite manivelle que j'ai pas compris à quoi elle sert. D'accord. Ok. Ça, c'est excellent. Donc, on va voir jusqu'à où tu peux aller. Ok. Donc, il peut aller jusqu'à là et bah ça tombe pas. Ça, c'est pas mal. Donc, comment faire du coup pour empêcher que ça... Il n'y a pas une... Ça aurait été bien s'il y avait un truc qui empêche que ça se déroule, quoi, avec le, par exemple, comme ça, là. Si on appuie dessus, ça se déroule. Ou alors, il y a une... Ah, d'accord. Voilà, donc, ça explique à quoi ça sert, ce truc. T'as vu, je découvre avec vous en même temps. Donc ça, en fait, quand tu serres là, eh ben, ça empêche que ça descend. Et là, tu peux appuyer comme tu veux, et eh ben, ça empêche que ça descend. Donc, ok. Comme ça veut dire que tu as choisi la position dans laquelle tu veux le mettre. Et puis, voilà, après... Il y a deux machins de mousse là, qui sont super agréables pour tenir. Et encore, ce qui est bien, c'est qu'en plus, là, il y a un niveau, un petit niveau là, et là aussi. Il y a un petit niveau par là. Voilà, je ne sais pas si tu arrives à le voir. Donc, je zoomerai dessus aussi éventuellement. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a dit ça. Il y a ce truc là que je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, je vais vraiment tout... Je ne sais pas si c'est bien que je fais ça. Ok. Donc là, à quoi ça sert ce truc qui tourne aussi? Parce que même là, il y a un truc qui tourne. Ah, d'accord. Ah, ok. Donc, tu peux, quand tu écartes le machin, et ben, tu peux le serrer à un certain niveau pour pas qu'il bouge aussi. Franchement, il est vraiment complet. Donc, j'adore. Pour 13 euros, c'est pas cher du tout. Donc, voilà. On peut faire comme ça. Comme ça aussi. Tu as vraiment énormément de possibilités. Ça, pour quelqu'un qui veut vraiment commencer pour apprendre des photos, tout ça, photos, vidéos, tout ça, c'est excellent. Donc, ça s'allonge plusieurs fois. Voilà. Je sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais franchement, c'est excellent. Ajoute à ça le fait que, eh ben là, aussi, ça se plie dans tous les sens. Comme ça, par exemple, si tu poses sur une surface qui n'est pas pleine, par exemple, plane. Le blé d'art.
une surface plane, par exemple, tu vas dans la forêt ou je sais pas, donc tu peux tourner le pied dans tous les sens. Ça aussi, c'est une... Putain, mais il a que des qualités. Surtout que je suis époustouflé par rapport au fait qu'il est vraiment solide par rapport pour quelque chose qui vaut 13 euros, quoi. Parce que l'autre, là, je vais te montrer, bah, tu vas être surpris, la différence, elle est flagrante. Donc voilà. Et en plus, il a une petite manette que tu peux, par exemple, je sais pas. Moi, je dirais que pour, par exemple, filmer des trucs comme ça, mais en vrai, je pense pas que c'est fait pour ça, c'est plutôt pour pouvoir le transporter. Et une petite manette, là, pour... Une petite manette pour pouvoir mieux le transporter. Et après, moi, je ouais, tu peux filmer comme ça, genre. Filmer un truc en marchant comme ça, etc. Voilà, excellent, franchement excellent. Donc à partir de maintenant, je vais commencer à utiliser celui-là à la place de celui que j'ai là-bas. Merci qui? Merci Action. Merci Action. Donc voilà, je vais te montrer l'autre qui coûte exactement le même prix. Et ben regarde, rien à voir. Point, 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 point. Donc t'as ça. Tac, tac, tac. Hop, hop, et hop. Ça se plie pas. Ça, je me rappelle, je l'avais plié à un moment donné. J'ai dû lui mettre des coups de marteau un petit peu et tout ça pour le redresser parce que c'est de l'aluminium. Et là, ça devient vraiment très, 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 très fragile. Donc voilà. Mais sinon, on va pas cracher dessus. Il m'a bien dépanné. Tac, tac, tac. Là, eh ben, le trou, il a foiré. Ça marche plus. Donc voilà, franchement, à côté de l'autre, malgré que c'est vrai que ça tourne comme dans tous les sens, etc., etc., mais ça vaut pas l'autre. Hein. Ça vaut pas l'autre. Regarde, il y a une grosse, grosse différence quand même. Celui-là, tu peux l'utiliser vite fait. Je sais pas, moi, par exemple, tu vas voyager, t'as pas envie de prendre un gros truc, malgré que bah, c'est pas très lourd quand même. Mais t'as envie juste d'aller vite fait à la plage, je sais pas moi, je sais pas où tu veux aller. Donc tu peux emmener ça, c'est plus simple. Mais sinon, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a vraiment pas photo. Voilà. Donc lui, ce qu'il a de bien en plus, c'est qu'il y a un socle qui est juste là. Donc là, je tiens le téléphone pour pouvoir filmer. Donc en fait, il y a un socle qui, bah, tu peux juste déclipser, tac, tac, et tu fais enlever l'appareil photo. Alors que là, par exemple, il faut que tu tournes ton appareil, tu tournes, tu tournes, tu tournes, pour pouvoir le fixer. Et c'est pas bon même pour le... Après, bon, je suis peut-être super maniaque par rapport à ce sujet. C'est pas bon pour le filetage. Tout le temps, tourner ton appareil dans le filetage, alors que là, il faut juste clipser et l'enlever. Et ben le reste, le petit socle, il reste collé à l'appareil. Comme ça, au moins, tu touches à rien. Donc voilà, une fois enlevé à quoi ça ressemble. Et le socle, il est là. Donc il y a juste à le clipser là. Et c'est bon.